Direction le céphalo-QG. Bonjour à toutes et à tous, ici Nobino, bienvenue dans ce nouvel épisode. L'Octagalaxie, funambule cosmique. L'épisode 8 du mode solo de Splatoon 2. Très content de vous retrouver aujourd'hui, messieurs dames. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ce qui pourrait être, même si je ne pense pas, le dernier épisode. Je pense plutôt que ça va être l'avant-dernier. Ah, il utilise le double encre héroïque, on est parti. Allez, tais-toi. Et on se retrouve donc sur Splatoon 2. Hop, hop. Content de vous retrouver. Fait toujours plaisir. Hein. Ok. Réessai. Toute beauté. Ok. Oh putain. Quoi? Ah attendez, il faut... Ça fait un bout de temps que je peux jouer à Splatoon. Ok. Ok. Toi aussi tu le sens mal. Ok, attends. On va refaire, attends, on va refaire. Hop. Sa grand-mère. Allez, c'est bon, ça m'a saoulé. A plus, on n'en parle plus. Voilà. Ou pas. Là. Ok, très bien, on continue. Donc voilà, stage peut-être bien 22, il me semble. Plutôt pratique. Ok. J'aime bien ce genre de mécanique. Ouais, alors attends. Ça. Ça. Voilà. C'est quoi ça? Ok. Hop. Hop. Oh, c'est stylé. Hop, 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 hop. Oh là là, le swag. Oh là là, le swag. Ça met nous, ça. Ok. C'est la suite du niveau. Ok. Tout est contrôlé. Absolument pas. Absolument pas. Ok. Je me prends des trucs, c'est assez violent. Salut. Ok. Une face de poulpe t'attend au bout du fil. J'adore l'humour. Quand il est bien fait. En l'occurrence, pas le tien, tu vois. Ok. Lol. Toujours plus. Quel est ce délire? Ok, je vais pas chercher à comprendre. Ça allait trop vite, j'ai pu rien dire, j'ai subi, et j'ai le poisson charge, c'est essentiel. Pas le parchemin, pas le sardinium, j'ai pas dit que je faisais un 100%, je vous le rappelle, attention. Toi là qui... Je te le rappelle. Et on va aller du coup à la zone 24, Carrefour Céleste, saut à la sèche. À la sèche. Il y a un jeu de mots? Si vous avez trouvé un jeu de mots dans saut à la sèche, dites-le en commentaire. Saut à la sèche, saut à la sèche. C'est même pas difficile à dire. Bizarre.
Oh, ça serait héroïque, non. Oh, c'est pas drôle. Oh là là. Ok. Très bien, j'adore le jeu. Eh là, je l'ai eu. Il puait tellement là. Ah non. Excuse-moi, ouais, merci. Ok. Reviens, on est bien. Oh, relou. Attends, il y avait quelque chose là-bas. Non? Ah non. Ok. Allez, reviens. Reviens, on est bien. Voilà. Ah, je l'ai vu. J'ai vu un truc, c'est quoi? C'est le sardinium. Oh, ça va être chiant. Excuse-moi. C'est pas trop bien compris, je crois. Reviens! Je l'ai. Ok. Ok. Tire avantage. Quoi? J'ai pas compris ce qu'il dit. Avantage? Qui tire avantage là-dessus? Ça veut rien dire. Il y a des choses que je ne comprends pas. Je vais bien. Calmez-vous. Calmez-vous. Ne dites pas que je suis fou. Aïe. Ah, là, les bombes ballons auraient été pratiques. Oh, nique-toi, ta race, le jeu! Pardon, excusez-moi. Je me suis emporté. Non, c'est chiant en fait, parce que. Allez, grand-mère, vos grand-mères là! Vous voyez, c'est chiant, on peut pas sauter facilement. C'est insupportable. Faut attendre, voilà, et après le truc il s'en va. Et t'as plus de vie, donc tu perds le niveau. Putain. Ça par contre, ça m'énerve parce que c'est pas normal. Elle meurt. Là, on va bien repeindre histoire de pas se casser la gueule. Voilà. Insupportable. Insupportable. Sérieusement, c'est pas agréable. C'est vraiment nul. Je sais pas qui a eu l'idée d'avoir de mettre cette méthode-là, mais elle est pas finie. Elle est pas bien faite. Voilà. Alors attends, là ça tourne encore et j'adore les trucs qui tournent, vous aurez compris. Non, ça c'est nul. Ok. Gros ennemi bien con.
Allez, oui. Excusez-moi, on s'est pas bien compris, je crois. Sa grand-mère! Ça fait quoi, ça? Ça fait quoi, ça? Et voilà, et c'est le truc qui m'emmène dehors. Vas-y, c'est rigolo. On va attendre que tout... Voilà, que ça se tourne. Voilà. Ok, très bien. Ravi de le savoir. Je sais pas en quoi ça mène, mais... Très bien. Si tu veux. Là-bas, peut-être. Voilà, les guignolos, encore. C'est rigolo, hein, bah oui. Ok, c'est quoi la suite? Une bombe dans le cul, très bien. J'adore. Ce level-là, il m'énerve. Sérieusement. Ok, ensuite. Ok, ensuite. Très bien. Ah, attention, ça tourne. Il se peut que le jeu te troll. Ouais. On se met là-dessus. C'est où? Ouais, ça va pas s'écrouler, ça? Non, c'est bon? Ok. Insupportable. Pire niveau, je crois, pour le moment. J'espère qu'elle n'aura pas des pires, parce qu'alors là... Non, celui-là m'a fait chier. Vraiment. Si. Théma, où il faut monter, sérieusement. C'est qui le sourasse chez Nintendo qui a fait ce côté-là de la map? Eh oh, Festival Stellaire, attention, sol glissant. Heureusement que c'est l'avant-dernier épisode, parce que je vous avoue que je suis un peu... Pas saoulé... Mais je sais pas, il y a des... Je sais pas, oh, putain, badigeonneur en plus. Ah, lui, il a dû souffrir, hein. Gros. Oh là là, le dev, il a une gueule. Oh là 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 là. Ouais, ta gueule. Bref. Voilà. Voilà. Faut que je recharge aussi, c'est vrai. Tellement bien fait ce jeu. Hop. Je critique, mais c'est bon. Enfin, c'est agréable à jouer. Mais pas tout le temps. Sans déconner, pas tout le temps. Faut le malin là. La merde. Allez hop. Voilà la chaîne. T'es un peu nul quand même là le ring. Hop. Je vois pas. Ah ok. Des trucs comme ça, très bien. Voilà. Pas sûr que je puisse le sauter, ça. Si? Ah si. Et toi? Ok. Ok. Là-dessus, point de contrôle, voilà. C'est-à-dire que le reste va être chiant. Si nous mettent un point de contrôle comme ça au milieu d'une mécanique. Est-ce qu'on risque d'avoir des ennemis un peu casse-couilles? Voilà, en l'occurrence ceux-là. Ça va, ils étaient pas non plus masse. Je sais pas ce que c'était, j'ai pas eu le temps de voir. Je vous avoue que ça va pas non plus changer ma vie. Ah mais du temps à mourir quand même, lui, hein.
Voilà. Ah, il avait un bouclier, peut-être bien. Ça doit être certainement ça. Oh, il y a un club de rock là-bas. Voilà. Ça, voilà, ça c'est chiant. Il me voit, je suis derrière le mur, il me voit. Tu peux pas récupérer tes œufs tranquille. Voilà. C'est relou, c'est pas grand chose, mais c'est des trucs qui gâchent un peu. 1, 2, 3, 4, 5. Dis donc. Je serais tombé là. Sa grand-mère, j'aurais eu le mort. Hein. Non, faut juste avancer. Très bien. Ouais, je vais. Ok, la petite feinte. Ça bouge comment ça? Ouais, ça bouge bizarrement. Hein. Excuse-moi, tu peux mourir? C'est chiant, merci. Comment tu veux? Ta caméra est dégueulasse. Tu peux pas, avec le joystick, faire au bas. Et tu dois te débrouiller. La gyroscopie est buggée. Hein, voilà, c'est dans le nom, c'est la gyroscopie. Et tu dois voir que il y a les trucs qui bougent avec tel pattern. Mais comment tu veux? Comment tu veux savoir? Faut deviner. Faut deviner ou faut die and retry. Allez, meurs. Ouais, t'as constamment... Voilà, casse-toi. Un ennemi qui est bugué. Avec une IA à la con. J'aime pas. Il y a des choses qui me dérangent. Alors... Le mode solo est bon, y a pas à dire. J'ai même entendu des gens qui disaient qu'il était meilleur que le premier. Allez, tais-toi. Ouais, la portée quand même, c'est de moins en moins. Mais, bon attends... Tu vas me dire que le gamin, là, il était plus loin que les œufs qui sont à haut? Ok, why not? Ok, je l'ai vu. Ok. Ça m'emmène juste là. C'est cool. Ça bouge comment ça? Ok. Ok, d'accord. Ça, ok. On va attendre parce que là-dessus, je glisse comme une merde. Ah! Oh là là, mais oh! Saute un peu, hein! Oh, les ballons, bon... Ok. On va utiliser celui-là, hein. Wow, du calme. Ok, ça continue, très bien. Pardon. Tiens, comment je suis censé l'avoir, ce truc-là, là? Sans déconner. Je pourrais te chercher. Ok. Ça tourne bizarrement, hein. Ok. Toujours plus dans l'abus.
Ouais, faut l'avoir comme ça, mais va te coucher, hein, gamin. Allez, attends. Voilà. Hein, voilà. Non, il y a des choses qui sont mal pensées. Il y a des choses qui sont très très bonnes, et je l'ai dit. Ça m'est arrivé de dire cette mécanique-là, je l'adore. Il y en a d'autres. Argues, qui sont pas bonnes. Bref, level 26, ça sera le dernier de cet épisode. Dans le prochain, vous l'aurez compris. On va changer d'arme avant, parce que si jamais cartouche n'en a pas d'autres à me donner, je vais me retrouver avec le badigeonneur. J'ai pas des masses en vie, tu vois. Donc voilà, mais voilà. Donc, dans le prochain épisode, on fera le level je ne sais plus quoi et le boss. Ce sera peut-être un petit épisode, ça dépend. Ouais. Déjà là au moins, c'est déjà plus beau, on voit quelque chose. Allez, voilà, défonce-moi, ça je te dirai rien. Ouh. Ok. Faire gaffe du coup, parce qu'il y a des bouboules. Ok. Ok, ça on peut pas monter dessus. On s'en va du coup. J'adore le stage en longueur. Alors qu'on me donne un rouleau. Meurs, je vais retirer quelque chose derrière. Voilà. Ça m'aurait étonné. Là. On avance. Je sais pas ce que c'est censé faire. Ah, ralentir les bouboules, peut-être, oui. J'en sais rien. Je n'entendais pas moins de toi, numéro 4. Ok. Ok, là-dessus, on peut avancer. J'étais dans l'encre, j'étais en calamar, il a glissé, il a pas cherché à comprendre, il m'a fait non, ni va te faire. Je voulais vous que je vous dise, des fois si le jeu n'est même pas avec moi, bon, au bout d'un moment. Voilà, je voulais passer directement à gauche parce que sinon j'allais encore me faire en papaouté. Pour le dire poliment, hein. Voilà, parce que dire des gros mots, c'est pas du tout mon genre, hein. Vous le savez. J'ai horreur des gros mots. Voilà, c'est ça, pousse-moi à sec, voilà. Allez, 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 voilà, et là, l'encre qui met 3 jours et demi, c'est bon, je l'ai. Rentre chez ta grand-mère! Rentre chez ta grand-mère! Et il prend pas l'encre, ça me saoule. C'est insupportable ce jeu! J'irai pas chercher ça, ça m'a saoulé. Ah, casse-toi, allez, c'est bon. Oui, moi aussi j'ai eu la frousse. Encore, au cas où, hein. Salut. Allez, salut, prends-moi, retourne-moi, c'est comme tu veux. C'est ouais, pourquoi pas, hein? Peut-être un bon délire, j'en sais rien, moi. Allez, pan. Pan.
J'ai vu le ballon, mais je m'en moque. Passé. Merci. Ça m'aurait étonné, hein, ça. Voilà, entre deux bouboules, le parchemin, il aime ça, hein, bah oui. On va peut-être peindre ça avant. Parce que, voilà, si ça me rend bien dans la tronche, pour monter. Ah, une giga bouboule. Ça, ça va où, ça? Cassez-vous. Toi aussi. Je vais monter là-dessus. En renant peut-être. Ok. Ok, point de contrôle final. On monte. Salut. Excuse-moi. Je t'avais pas vu. Là, normalement, voilà, ça la décale, c'est bon. Je vais juste prendre ça. Salut. Tombe. Merci. Ça la pousse, voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Oh, leur grand-mère. Voilà. C'est ça d'avoir des alliés, un avec un gros cul. Allez. Celui-là, celui-là, ça va. Bon, la bouboule qui pop, parce qu'encore une fois... Je pense qu'il y a un problème global de caméra, que ce n'est pas justement l'axe et l'angle, mais que vraiment il y a un problème de caméra. Je pense qu'elle est... C'est pas la même, il me semble, que sur Splatoon 1. Mais je sais pas, il y a... Je sais pas, c'est trop loin, c'est trop... C'est moche. C'est trop près, je veux dire, enfin c'est pas adapté. Et pour moi, elle est pas... On voit pas tout sur la caméra. D'où le fait que certaines bouboules me prennent par derrière à sec, comme j'aime bien le dire. Même si, des fois, c'est pas drôle. Voilà, je pense qu'on va dire au revoir, messieurs lames. Je vous dis merci à toutes et à tous d'avoir cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce en pouce. Un pouce vert, un pouce rouge. Si vous avez plu, je vous fais un bisou, c'est à nous. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo sur Splatoon 2. Allez, tchou! Pour le dernier épisode.